up to fight please. For the future. Young dog. Civil disobedience. Juillet 2001, la ville de Gênes est dans l'œil du cyclone. Les chefs d'État des 8 pays les plus riches du monde se réunissent pour le sommet du G8. Créé en 1975, le G8, comme le FMI ou la Banque mondiale, est une des structures de l'exécutif du nouvel empire capitaliste en phase de se constituer. Depuis Seattle, les mobilisations anti-mondialisation sont devenues des mouvements de masse. Le modèle tactique des manifestants au contre-sommet est simple, perturber, voire empêcher la tenue de telles réunions pour symboliser l'irruption des peuples dans les directoires du monde. C'est cette irruption qui pose problème à la police et aux responsables politiques, non les bris de vitrine. Le seul système disponible aujourd'hui dans le monde pour augmenter le bien-être est le système du libre-marché. Système del libero mercato. Ce libre-marché, ce libéralisme aide la démocratie à s'installer dans le monde, une démocratie qui, selon lui, est également la base du libéralisme. À ma droite, l'Empire. Silvio Berlusconi, chef du gouvernement italien de coalition néo-fasciste, avait prévenu à Göteborg. Il ferait le nécessaire pour assurer la tranquillité du sommet. Un déploiement de forces sans précédent, qui rappelait à beaucoup les années de plomb. Police, armée, digos, services secrets. La ville est bouclée, le sommet du G8 bunkerisé. Le port et la vieille ville, transformés en zone rouge, prennent des allures de camps retranchés. Anticipant la culpabilité des manifestants, le gouvernement Berlusconi, mandaté par l'Empire, procède à des arrestations préventives, perquisitionne les centres sociaux, interdit l'entrée sur le sol italien aux manifestants fichés lors des précédents contre-sommets. À ma gauche, la multitude converge sur Gênes du monde entier. Le Genoa Social Forum regroupe plus de 1000 organisations. Assos, syndicats, partis, collectifs. Il assure aussi l'accueil et la logistique générale du contre-sommet. Pour le reste, l'organisation est horizontale dans le respect affiché de la diversité des mots d'ordre et des stratégies. Individus et organisations se regroupent par affinité d'idéologie ou de tactique. La multitude est hétérogène et bigarrée, mais tous se retrouvent dans la condamnation des pratiques du G8 et de l'Empire. La mise en scène de ce sommet sera déterminante. Dans le monde entier, la presse aux ordres met en garde contre l'arrivée des casseurs. En Italie, la propagande stigmatise ce qu'elle appelle les anti-mondialisations et entretient complaisamment la psychose d'un déferlement de violence. La pression monte, le spectacle peut commencer. Du côté des rebelles, les activistes vidéo, radio et presse écrite se regroupent comme ils le font systématiquement sur les contre-sommets. Ils constituent l'Indie Media Center. Ce réseau de sites internet met en ligne heure par heure images, interviews, analyses indépendantes et alternatives. Passaggio
importante, non siamo più soltanto una somma di soggetti diversi. Oggi proviamo a essere qualcosa di più, qualcosa di nuovo, e credo che possiamo dire che forse su questo un grazie lo dobbiamo anche a quegli otto signori che stanno là dentro, protetti da quelle reti, che offendono oggi Genova con la loro invadenza, con la limitazione di ogni diritto, di ogni libertà, e che offendono quotidianamente tutto questo pianeta, decretando con semplici decisioni la morte di milioni di persone in nome del loro profitto, dei loro interessi e dei loro poteri. Siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini. Le 19, la marche des migrants regroupe 60 000 personnes. Le mot d'ordre unitaire et non violent est accepté par tous. Le cortège compte plusieurs dizaines de nationalités. Les manifestants ne sont pas les anti-mondialisations que les médias voudraient montrer comme conservateurs, réagissant frileusement à une globalisation inexorable. Ils revendiquent au contraire la liberté de circuler pour tous, dans une société organisée à l'échelle planétaire qui pose le bien-être de l'homme comme moteur de ses décisions. Une nouvelle sorte de gouvernance mondiale est en train de voir le jour, où les gouvernements des différents États-nations siègent aux côtés des transnationales, des groupes de pression ou d'intérêts. La constitution de cet empire n'est pas l'émanation de la volonté populaire. La création des instances décisionnelles G8, Banque mondiale, FMI, Forum de Davos n'a jamais été soumise à un quelconque vote et le peuple est exclu de toute représentation directe. En conséquence, les forces anticapitalistes ont intégré que leur travail militant et local est continuellement défait par ces institutions, derrière lesquelles se réfugient patrons, responsables syndicaux, élus et gouvernements, en clamant leur impuissance. Elles viennent au sommet faire entendre leur voix en réinventant l'internationalisme, dont les enjeux sont l'abolition de la dette du tiers-monde, la lutte planétaire contre le sida, une réglementation globale en matière d'environnement et de biotechnologie, l'organisation de la liberté de circuler des êtres humains. Demain tout c'est interdit. Il n'y a pas de manifestations autorisées demain. On va essayer d'arriver jusqu'à la barrière de la zone rouge, mais on ne connaît pas si la police va nous empêcher de sortir d'ici, du stade. On va essayer de sortir avec toute notre instrumentation, tout notre instrument, pour arriver jusqu'à la barrière, casser la barrière et rentrer dedans. In this group, I think the pink group has been working to develop actions that are creative and imaginative and theatrical and fun, as well as powerful actions. I haven't actually met with the blue group or even those groups, but my sense about them is that they are more willing to confront the police. And are really
There's also different definitions of direct action. You know, in the United States, we use direct action means any action that's directly interfering with something, whether it's violent or non-violent. So if you please start moving to the starting point at the entrance of the Convergence Center. Le 20 juillet, les rues de Gênes sont le terrain d'une autre forme d'action, celle des Black Blocs. Les Black Blocs construisent des barricades, détruisent des banques, des agences immobilières, des véhicules de luxe et des caméras de surveillance. Ils mettent le feu à une prison vidée de ses prisonniers, pillent une supérette pour pique-niquer, couvrent les murs de slogans. Quand la police les attaque, ils se replient, les Black Blocs préfèrent évoluer rapidement. En théorie, c'est pour répondre à la violence quotidienne du capitalisme et de l'État que des individus et des groupes affinitaires agissent en Black Bloc. D'où certains choix tactiques. Le port de la cagoule, l'attaque de cibles matérielles, la mobilité, l'improvisation. Bref, le refus de la légalité comme limite politique. Entre les Black Blocs, la police et les médias organisent une mythification délirante de leur action dans un contexte de chasse aux sorcières. Le Black Bloc devient le bouc émissaire pratique pour éluder le fait que des milliers de manifestants, toutes tendances confondues, se sont transformés pour un temps en émeutiers déterminés. Des amalgames grossiers permettent d'intensifier le contrôle politique de toute l'opposition et justifient une répression renforcée, souvent maquillée par des législations soi-disant antiterroristes. Le discours dominant ment sur les Black Blocs pour continuer à mentir sur sa propre domination, une domination qui repose sur la violence. That inside the block there is no panic throughout the whole time from here to the red zone fences, even though there will be charges, there will be tear gases, etc. Don't panic and stay together. Un dernier briefing a lieu au stade Carlini, bourré à craquer de combattants bardés de mousse. Malgré une ambiance festive et colorée, l'organisation est quasi militaire. D'abord viennent les boucliers collectifs, puis une équipe d'extinction des lacrymogènes, puis les gens équipés de boucliers individuels. Ensuite arrive la masse des gens protégés par la mousse. Les équipes sanitaires suivent, elles distribueront eau, citron, sérum physiologique. Enfin, le gros du cortège se tient prêt,
Vers 14h, il s'ébranle. Quelques centaines de mètres, alors que la zone rouge est encore loin, les lacrymos fusent en tête de cortège. La première charge abat les boucliers et les gaz paniquent la foule. Les lieutenants hurlent des ordres aux porte-voix, les rangs se reforment, les boucliers se lèvent, les chants dispersent les derniers gaz. Les organisateurs sont rapidement débordés par la base et le cortège prévu défensif se transforme en guerre de terrain. Plusieurs milliers d'émeutiers, comprenant de nombreux manifestants radicalisés par la situation, sont rejoints par les Black Blocs. Ils lutteront pied à pied avec la police jusqu'à 17h. Vers 18h, l'annonce de la mort d'un manifestant de 23 ans, abattu d'une balle dans la tête par un carabinier, parcourt les différents cortèges et entraîne la dispersion des manifestations. Au soir du 20 juillet, la mort de Carlo Giuliani et la violence de la répression changent la donne. Les manifestants sont choqués, certains désemparés, d'autres radicalisés et prêts à en découdre le lendemain. Le 21 juillet, la manifestation unitaire rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes venues de toute l'Italie et de toute l'Europe.
syndicats, partis politiques, citoyens du monde, chrétiens de gauche, anarchistes, défilent dans le même cortège. La marche commence par longer le bord de mer jusqu'à la Piazza Kennedy, où est installé le centre de convergence du Genoa Social Forum, entre la plus grosse caserne de carabiniers et le parking géant réquisitionné pour les renforts de police. Elle doit remonter au nord vers la Piazza Ferraris, à plusieurs kilomètres de là. Je me trouvais à peu près au milieu du cortège et ce qui s'est passé, on est arrivé à proximité du point de convergence, là où toutes les associations sont placées, et j'ai vu des gens commencer à refuer. Il y avait des feux, des fumées, des lacrymos à peu près 100 mètres. Et on a vu des policiers tirer depuis les toits, avec donc tirer des lacrymos en tir direct. Les policiers qui étaient un peu en dessous tiraient en parabole. Donc les gens ont commencé à refuer davantage. On a essayé de prévenir les gens pour éviter qu'il y ait des blessés. À proximité du camp militaire, un front policier inonde la manifestation pacifique et les tentes du GSF de gaz de combat. De violents affrontements s'engagent. Le cortège est coupé en deux. Le premier tiers continue d'avancer, poussé et harcelé sur ses arrières par la police, sur une ligne de front défendue par plusieurs centaines d'émeutiers et qui se déplacera jusqu'à la Piazza Ferraris. Sur le front de mer, le reste de la manifestation, essentiellement des syndicats de masse et des organisations pacifistes, est écrasé. Ils sont pourtant ostensiblement non-violents. Les flics ont chargé et à ce moment-là, il y a eu un effet de panique. J'ai été mis sur le côté. Là, il y a eu des fumigènes, des gaz lacrymogènes et on a entendu un énorme bruit. C'était les VAB, donc des véhicules un peu blindés qui ont chargé la foule directement. Et après, j'ai vu les gens, les flics matraquer, même les gens qui se rendaient, qui plaçaient les mains comme ça. Ils ont visiblement voulu couper la manif en deux. Une manif qui rassemblait énormément de gens. Et ils l'ont coupée, ils l'ont détruite en la remontant complètement. En laissant des gens blessés, choqués, même des gens qui se sont jetés à la mer tellement ils étaient terrorisés. Donc il y avait les hélicos qui tournaient autour, sur la mer les frégates, les bateaux. C'était assez apocalyptique. Cette logique de terreur totale, de violence arbitraire, continue après la dispersion. La police capture des gens dans la rue sur des critères vestimentaires. Au total, la journée du 21 fait plusieurs centaines de blessés et d'interpellations. La violence d'État continue crescendo et atteint des sommets de barbarie au reflet de dictatures fascistes tard dans la nuit. Alors que Gênes se vide de ses manifestants, que plusieurs campements sont évacués par peur des représailles, l'état-major programme un blitz. Ils pénètrent dans les locaux abritant l'Indy Media Center et les bureaux du GSF. Ils envahissent l'école Diaz, située juste en face, qui sert de dortoir à une centaine de manifestants. Cette attaque est officiellement une perquisition. En réalité, c'est un massacre. Le quartier est bouclé, survolé par des hélicos au ras des toits. Une centaine de policiers investissent l'école et passent à tabac ses occupants, y compris ceux qui dormaient.
Tous finissent dans les geôles de la police ou à l'hôpital dans un état critique. Un journaliste anglais de l'Indy Media Center passera plusieurs jours dans le coma. Your lawyer is Rossi. You understand me? Hey, English from Italiano? Your lawyer is Rossi. Your lawyer is Rossi. You are the title Rossi. Un gruppo di 12 della Spagna, non violenti seduti in terra, l'abbiamo minacciato, abbiamo detto che eravamo non violenti, abbiamo alzato le mani, eravamo soltanto dentro questo palazzo vicino dell'Independent Media Center. Sì, e non abbiamo fatto tabasser. J'étais la seule italienne dans le groupe, quoi. Deux autres six, ils étaient français ou suisses et deux espagnols aussi. Du coup, j'essayais de traduire, quoi, parce qu'ils donnaient des ordres, vider vos poches, machin. Et dès que j'ai essayé de traduire, je me suis fait éclater à coup de matraque. Pas donc ils nous ont amenés à Bolzaneto et ouais, ils nous ont mis d'abord tous dans la même pièce. Après, ils nous ont séparés filles garçons, quoi. Donc menottés avec des menottes en plastique sur par les trois. Ouais. Et donc moi je suis tombée avec deux autres filles qui sont fait arrêter en demandant des renseignements ou pour des conneries du genre. En fait moi j'étais avec une Suisse, je me suis fait arrêter avec une Suisse. Et on était là, on est resté contre le mur debout, appuyé juste avec la tête plusieurs heures, quoi, genre 5-6 heures. Et ça gueulait de tous les côtés, il y avait des gens qui se faisaient éclater partout. Devant la cellule je voyais des gens passer en train de se faire arrêter, arrêter grave, quoi. Des coups de pied dans les couilles à répétition. Il y a eu un mec juste devant la cellule, il a eu une crise d'épilepsie à force de se faire donner des coups dans les couilles. Et l'histoire, c'est qu'en fait, à Bolzaneto, il y avait tous les flics qui repliaient de la manif.
Donc ils venaient de se faire éclater par les manifestants et tout. Donc ils rentraient chaque une heure ou deux, ça changeait de flics et ils étaient super vénères. Moi je m'attendais que d'un moment à un autre, il y avait quelqu'un qui dise bon bah c'est bon, toi, c'est abusé de les éclater comme ça et tout. Et en fait non, ça n'est jamais arrivé quoi. Tout le monde était d'accord. Mais après ils nous ont fait signer la déposition quoi. Et là c'était pareil, genre, ils nous ont fait passer 2-3 fois dans le couloir avec les 30 flics quoi. Moi j'ai perdu connaissance en fait, à un moment donné, je me rappelle plus très bien. Et après j'étais enfermée dans une pièce avec 5 mecs. Ils ont commencé à me tabasser quoi, par terre, à coups de latte dans le vide et tout. En fait, j'étais la seule à ne pas signer la déposition en tant que la seule à comprendre ce qu'il y avait écrit. Même s'ils ne m'ont pas fait lire quoi. Il y avait marqué quoi? Bah, en fait, il y avait marqué qu'on était arrêtés en train de. On était inculpés de lésions aggravées. Ça veut dire lésions aggravées que tu envoies un flic plus de 15 jours à l'hôpital quoi, alors que j'ai touché personne. Lésions aggravées, résistance aggravée, alors qu'on a levé les mains sans rien dire quoi. Bon vol, un tas d'autres trucs quoi. Et moi j'ai pas signé, donc du coup je me suis, le mec il m'a sorti de la pièce, donc quand j'étais dans la pièce je me suis dit ah, c'est bon, je vais me faire violer et tout, parce qu'il menaçait de ça aussi dans la pièce, à 5 mecs. Après en fait avant de nous transférer à Alessandra, ils nous ont mis dans le couloir, enfin tous quoi, les mains contre le mur, impossible de regarder les autres, ils nous éclataient au fur et à mesure, ils nous ont fait mettre en ligne, crier viva Mussolini, viva le Duce, viva la polizia pénitentiaire, ils nous ont fait lever le bras droit, genre comme fascisme. Le gouvernement avait le devoir de garantir le bon déroulement du G8. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'une rencontre légitime entre chefs d'État et de gouvernement, des élus qui représentent des millions de personnes. Les opérations de maintien de l'ordre lors de réunions des gouvernants fonctionnent désormais selon trois critères. Premièrement, la maîtrise du territoire. La police sécurise le périmètre de réunion qui s'accompagne d'un déploiement de violence. Deuxièmement, une criminalisation préventive du conflit. Elle passe par l'élaboration concertée de fichiers transeuropéens des indésirables. À l'échelle planétaire, le réseau Échelon permet une surveillance très pointue technologiquement des communications des individus. Ceci s'accompagne d'une réactivation des frontières au sein d'un espace transnational pour empêcher aux manifestants l'accès au pays qui accueille le sommet. À Brindisi, un bateau transportant des manifestants grecs est stoppé et réexpédié manu militari en Grèce. Le gouvernement français collabore activement en déployant des forces à la frontière et prend l'initiative de bloquer un train d'anglais à Calais. En Autriche et en Allemagne, des militants fichés sont assignés à résidence. La contestation politique est assimilée à une activité potentiellement criminelle. Enfin, un usage systématique de la violence produisant une terreur immédiate et visant un effet durable d'intimidation sur les manifestants. Dans le modèle mis en place, l'usage de la force est absolu. On peut mourir d'avoir manifesté. Pour accompagner cette stratégie, les polices disposent d'un arsenal qu'elles utilisent à outrance. Des estimations très documentées existent sur l'impact médical et social de chaque type d'arme. En particulier celles de seconde génération, irritants chimiques, munitions à impact cinétique, armes dites moins létales, c'est-à-dire moins mortelles. Cette terminologie est explicitement conçue pour augmenter l'efficacité des policiers, après que des études ont montré qu'elle était amoindrie par la peur de tuer un manifestant. Pourtant, comme l'affirment les fabricants de ces armes, leur utilisation peut blesser sérieusement, causer des traumatismes susceptibles d'entraîner la mort. Le nombre des victimes en témoigne. Nos compatriotes venus pour l'essentiel d'Europe manifestent leur inquiétude, leur désir de voir les choses changer, maîtriser. Et ceci implique de la part des dirigeants une vraie réflexion. On a vu à Gênes le vrai visage du capitalisme. Hormis quelques gesticulations politiques, les gouvernements européens n'ont pas bronché à l'annonce de l'assassinat de Carlo Giuliani, pas plus que lors des tirs à balles réelles au précédent contre-sommet de Göteborg. L'Empire mis en doute n'avait d'autre réponse que la violence aveugle. Il a envoyé ses chiens de garde dans une entreprise de terreur délibérée. Elle n'est pas le fait d'un dérapage fascisant de la seule police italienne, mais d'un plan concerté de gestion des grands rassemblements internationaux.
ce à quoi on a pu assister, c'est au fait que il y a eu systématiquement des charges de police avec des moyens et dans des proportions ultra-violentes qui ne pouvaient aboutir qu'à des incidents. Ça va nous obliger, comme organisateurs de telles rencontres, à organiser un service d'ordre, à avoir des moyens de défense par rapport à de telles violences policières. Je ne sais pas. Au lendemain du 21, Jeanne incrédule se réveille avec la gueule de bois. Alors que des arrestations continuent par raf et qu'affluent les premiers témoignages cauchemardesques sur les tortures perpétrées à Bolzaneto. Analyses et bilans pleuvent entre prise de conscience et état de choc. Le degré de violence atteint exacerbe les débats dans la presse comme au sein du mouvement, engagé brutalement dans une phase de lutte radicalement nouvelle et qui hésite sur la conduite à adopter. Est-ce que par rapport à ceux qui sont les plus violents, au Black Bloc par exemple, oui. Est-ce que vous allez essayer de les mettre à l'écart ou vous les intégrer de toute façon, vous pensez qu'ils font partie du mouvement ? Il est possible qu'on doive mettre en place un service d'ordre de protection de ceux qui veulent manifester pacifiquement pour faire une sorte de cordon sanitaire par rapport à ceux qui manifestement veulent des actes en petits groupes qui peuvent servir à la police pour développer une politique de stratégie de la tension. Mais je ne veux pas me tromper de problème. Manifestement, le problème auquel nous sommes confrontés maintenant, c'est une violence policière complètement inacceptable. Il est clair que la police veut agresser le mouvement indépendamment de l'existence de groupes violents. Si ces groupes violents n'existaient pas, ils les inventeraient. Dans les états-majors des grosses organisations, dont le travail réformiste est mis en péril par cette nouvelle donne, la tentation de sacrifier la frange radicale du mouvement est grande. Suzanne George, vice-présidente d'ATTAC, publie une série d'articles qui condamnent sans appel le prétendu Black Bloc et avec lui les milliers de manifestants qui ont participé au combat de rue. Suzanne George les accuse d'être les complices plus ou moins conscients d'une manipulation orchestrée par la police. Lors de l'université d'été d'ATTAC, le fossé entre les cadres et la base apparaît au grand jour. En ce qui concerne la position que nous avons prise vis-à-vis des éléments se réclamant de ce qu'on appelait la mouvance Black Bloc, nous persistons et signons les communiqués. Vous avez ici deux communiqués d'ATTAC, du bureau d'ATTAC. Nous n'en changeons pas une virgule, c'est notre analyse collective. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je vous assure qu'elle est unanime au sein non seulement du bureau, du CA d'ATTAC en fonction de toutes les informations dont nous disposons et des preuves manifestes de manipulation et d'infiltration du Black Bloc par la police qui sont maintenant avérées. Nous considérons que les méthodes qu'ils utilisent, qui sont contradictoires avec les nôtres, eh bien desservent non seulement les intérêts qu'ils croient servir, mais desservent les intérêts d'une masse 100 fois plus importante, 1000 fois plus importante, qui est celle des manifestants de chef. Nous n'avons pas laissé dévoyer un mouvement puissant comme le nôtre par des éléments, quelles que soient leurs intentions par ailleurs, qui risquent de le dévoyer et à chaque occasion de vous obliger à livrer une bataille médiatique qui n'est jamais gagnée d'avance pour savoir qui portera le chapeau des violences. Ensuite. Je suis adepte de la non-violence et pourtant j'ai défoncé la barrière de la zone rouge et je me suis introduite dans la zone rouge. Au-delà de ce que je retiens de Jeanne et de ce que j'ai vécu, puisque je suis là pour les années où j'ai été en prison ensuite, quand je suis sortie de là, il y avait évidemment la douleur physique et les images atroces que j'avais dans la tête, mais j'ai surtout ressenti un immense sentiment de honte en lisant les propos de Suzanne George par exemple, un immense sentiment de honte. En voyant l'attitude que nous avions eue pendant la manifestation, l'attitude d'écart que nous avions voulu tenir pour assurer notre crédibilité face à l'opinion publique. Et j'ai eu honte que la première réaction après Jeanne ait été de sacrifier une tranche de la population que nous ne connaissons même pas, sans aucune preuve, en disant qu'ils nous avaient introduits dans notre groupe, ce qui marchait complètement la géologie de
avant, j'ai déjà vu l'introduction, les seules violences qu'il y a pu y avoir, c'était des violences que nous portions tous et toutes en nous, en disant que c'était à cause d'eux que nous avions été gazés, que nous avions été maltraités, et en portant des accusations très très graves à leur égard. Je voulais vous dire que j'ai très honte aujourd'hui de ce qui s'est passé à la chaîne, j'ai honte d'être secrétaire d'attaque, et je ne sais pas comment on va pouvoir assumer notre immense responsabilité dans ce qui s'est passé à la chaîne. Pourtant, le scénario policier de Gênes n'était pas une nouveauté. Il rappelle à beaucoup la stratégie de la tension qui a si bien marché contre le mouvement des années 70. Terreur d'État, inquisition antiterroriste pour diviser le mouvement, instrumentalisation des fascistes, criminalisation progressive commençant par les plus radicaux, politique de la main tendue aux plus modérés pour qu'ils collaborent à la gestion du capitalisme. C'est le piège du compromis historique. La multitude présente à Gênes est depuis divisée sur deux chemins séparés. Celui de la criminalisation d'un côté, nourri par des polémiques, des crises de légitimité et des ambitions politiciennes, et celui de la solidarité, où les expériences et les débats cherchent la compréhension mutuelle pour inventer un autre futur. The corporate media and the state are doing a tremendous job in criminalizing and marginalizing and labeling this movement. One. Two, there are some elements who are interested in street fighting, right? And part of it is how do you have a process of dialogue beforehand to see if there's ways to reach agreements. And it has been done before. Right? There's times and places where we can do stuff. So a lot of it, I think, is dialogue, mutual respect. I always say we can't control what people do. We can only control what we do. And so I think that the best way that we have in this movement to deal with this issue is to organize a strategic, empowering, alternative space that can carry the day. Because I think you have some margin on one side that's into sort of passive, moral nonviolence. You have another side that's into militant, more militant street fighting tactics. But the vast majority of people are looking for a way that is strategic, smart, empowering, what and sends today? Our message. We're trying to find that middle ground. I believe in direct action. It's the most powerful vehicle I've ever seen to transform people, power in the moment. Right? No one leaves the same way they come into these things, right? It just doesn't happen that way. And so I believe that this is a long-term fight, but we need to move things, right? We don't have the luxury of this sending mass mailings and making phone calls. It's like the shit is hitting the fan. There's urgency here. Now, that doesn't mean we have to sacrifice good organizing, good alliance building, looking at issues of power and oppression. But we have to also keep putting things in motion and, you know, confront power. Control. Il n'y a qu'un engagement décisif sur la voie de la solidarité qui puisse formuler des promesses crédibles pour l'avenir, en gardant l'initiative des conflits sur le plus de terrain possible, sans jamais plier sous les coups de la répression. Le mouvement ne peut pas se contenter d'une présence massive lors des contre-sommets. Les institutions du capital vont désormais se cacher au bout du monde, au Qatar ou dans les Rocheuses, et acceptent l'idée d'une confrontation ultra-violente lorsque cela leur est impossible. Le mouvement doit rester dans la rue parce qu'il se construit lors des rassemblements qui lui donnent une visibilité et permettent aux manifestants de se compter, de se rencontrer et d'échanger pratiques et expériences. Mais en s'amplifiant, il doit revendiquer de nouveaux territoires politiques en déplaçant la bataille sur 1000 fronts qui fasse le lien avec les luttes locales, qui envisage plus concrètement la continuité de la lutte anticapitaliste entre les centres de décision et les conséquences au niveau local dont nous souffrons quotidiennement.
précarité, licenciement, délocalisation, destruction de l'environnement, abrutissement idéologique. Les formes que prendront ces luttes n'existent pas encore, elles s'inventent chaque jour sur le terrain. Out of control.